Alors, la Bibliobox en fait génère un réseau Wi-Fi, donc tout le monde sait se connecter à un réseau Wi-Fi pour son portable. Là, vous allez voir qu'il y a un réseau qui apparaît sur votre proposition, qui s'appelle Bibliobox Médiathèque. Donc vous vous connectez à ce réseau, et à partir de là, en lançant votre navigateur internet, vous tomberez sur les contenus de la box uniquement. Vous ne pourrez plus aller sur le net, mais par contre, vous aurez tout ce qu'il y a sur la box à disposition. La box contient des documents libres de droit ou extraits du domaine public. Donc c'est vraiment une prescription, une sélection faite par les médiathécaires à destination du public, mais aussi des usagers qui passeraient par hasard. Vous venez chercher des documents libres de droit, donc ça peut être des romans, des romans de Jules Verne, en français, en espagnol, en allemand, en anglais, parce qu'on a aussi insisté sur les langues étrangères. Des films, des documentaires dont les auteurs, réalisateurs ont lâché leurs droits, de la musique libre de droit, et puis aussi des sélections extraites de notre bibliothèque numérique Aurelia, que vous connaissez déjà. Vous pourrez consulter des cartes postales, des plans, des gravures, le journal du Loiret, une sélection du journal du Loiret.